Salut tout le monde! On se rejoint avec Descorps, l'épisode numéro 17 sur Starbound. Et comme vous pouvez le voir, on est devant la vieille. Et qui dit être devant la vieille, ça veut dire mission de boss. Est-ce que t'es prêt? Blut. Oh oui! Ouais! Allez, pour fêter ça! Ouais, j'ai reçu une tech card, ok. Un manipulateur module. Allez. I'm afraid the apex is being held. Et allez, on accepte la mission. On a la mission sur le vaisseau. Et bah, du coup. Sur le vaisseau. Je t'invite à y aller. Allez, c'est parti. Oui. C'est parti. Oh la synchro. Magnifique. C'est bandant. Allez, c'est parti. Alors, mission. Mission. The mini Knock Stronghold. Je crois que c'est ça, je pense. Hein. Apex Artifice. Ouais, c'est ça. Ok, déploy. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, par contre, à partir de là, mec, je suis dans l'inconnu. Tu ne sais plus rien. Non, c'est pas que je sais plus rien, c'est que j'ai pas fait. Oh, putain, mec, la musique. Bon, mec, bah... Bon, écoute, attends. Oh, putain. Ils ont pas dit que c'était un manoir. What? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oui, la gueule du colonel qui l'a, ce mec. La nable, ah, c'est une meuf. Oh putain, elle fait peur. T'as la cicatrice qu'elle a, mec, t'as vu? Oh là. Bon bah, on va utiliser les tunnels. Attends, y'a un bouton ici. Voilà, c'est mieux avec la lumière. Y'a un trou? Non, je sais pas. Non, y'a rien. Putain, ils se battent, mon gars, c'est la guerre. Attends, avant qu'on y aille, y'a peut-être un coffre et tout, tu sais. Ah, attends, y'a un méchant là. Oh, il fait que dalle comme point de vie, mec. Ah bon? Ok, c'est géré. J'arrive. Ah, regarde, c'est relié. Oh, ou pas? Attends, c'est relié à quoi en fait? Non, c'est relié à rien en fait. Si, je crois, attends. Oh putain, oh les égouts. Wow. Non, pas les égouts. Oh les égouts. Mec, chez moi, tu bug. Wow. C'est la coquille lâche, c'est pas grave. Ça marche pas. Ah, ah d'accord, j'ai compris. Ok, ça a ouvert. Oh, putain, on est con. Ouais, j'avoue. Ok, oh putain. Ah. What? Eh. Ah d'accord, faut faire le tour. Ah, ils font mal les salauds. Oh putain, j'avoue. Putain la vache. Allez, ah, attends, y'a pas un truc à ouvrir ici? Oh, ah, on n'arrive pas à l'ouvrir. Merde. Un coffre peut-être, un truc comme ça. Attends, je reviens une fois sous l'eau. Ah. Allez. Merde. C'est quoi ça? Ah ok, c'est pas ça, pour s'ouvrir, ok. Ouais, c'est de l'autre côté. Y'a un bouton ici, là, je sais pas à quoi il sert ce bouton, mais c'est un bouton. Moi y'a un bouton, mec, j'appuie. Non, c'est fermé. Mais... Ah, y'a des successions de boutons, d'accord, ok. Jo, j'ai compris. Moi. Voilà. Ah, d'accord. Et attends, y'a un portail en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ah, un coffre. Vas-y, y'a quoi dans le coffre? Des bottes. Y'a des bottes. Ok, là c'est... Oh putain, oh j'aime pas cette zone, mec. Ah ah. J'arrive. Ah. T'as activé un truc? Des méchants, pourquoi? T'as déjà chopé ce qu'il y a dedans, là? Non, pas encore, je suis pas encore allé jusqu'au bout. Y'a rien. Attends, y'a un bouton ici. Bon, écoute, j'appuie au cas où. Ah, pour ouvrir une porte. Ouais, je pense. Ah bah tiens, elle est ouverte la porte en bas là. Oh. Okay, non, je pense qu'il y a rien ici. Ok, on y va. Ah mec, c'est tellement l'opération commando, mec. Oui. Je crois qu'en réalité, si on s'approche de ça, on est mort. Ah, tu le crois aussi? Ninja et tout.
D'accord, ça c'est pour remonter. Putain, non. Wait, attends, je peux pas ouvrir la porte ici? Non. Oh la vache, je crois que t'es la marée. Mec, alors ça par contre, mec, regarde, c'est flippant à mort, mec. Quoi? Regarde là où je suis. Ah oui, je sais, non mais c'est une table de torture, oui. Et moi, ça c'est glauque, putain. Mec. Oh putain, y'a des zombies! Wesh! C'est quoi là? Ouais, je crois que c'est des expériences qui ont été faites sur des Apex. Eh mais putain, mais. T'as par contre la musique elle y va, hein. Putain la vache. Ok, pourquoi la porte elle s'est ouverte, mais. Non. J'ai pas compris en fait là. Non plus. Attends, peut-être que si on retourne en arrière peut-être? Attends, j'essaie de remonter une fois et je regarde. Ouais, regarde en haut parce que moi je sais pas trop où est-ce qu'on peut passer là. Oh putain. T'as trouvé? C'est bon. Attends, j'arrive, attends, j'arrive, attends, j'arrive. T'es où? Là en haut. Ah d'accord, ça a ouvert tout là en haut. Ok d'accord, putain mais c'est... Putain mais... Ce labyrinthe... C'est un labyrinthe leur bordel. Putain j'avoue. Oh attends 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 attends. T'as chopé le coffre qui était en bas. Eh merde, moi je peux plus retourner en arrière. Ouch. Ah, c'est quoi cette merde? Ouh. Ah bah j'ai trouvé une barrette de rame. Littéralement. C'est quoi ça? Non mais le coffre je crois qu'on y accède pas en fait. Si si, regarde, c'est la porte qui est ouverte en bas. Et on peut plus retourner en arrière mec. Oh merde. Bon bah prochaine chose à faire quand on refait la mission hein. Ouais. Oh putain. Ah, c'est petit robot. Des petits robots mec, mais ils font pas à l'infini en fait, c'est ça le truc. Ah, il faut des clés. Ok, tu vas à droite, moi je vais à gauche, ok. Parce qu'il y a deux de la pierre, ce que je vois là. Attends, faut faire quoi? Attends, il y a un truc. Attends. Non, là ça. Je sais pas en fait, c'est ça. Attends, on dirait que ça se charge en fait. Ouais, c'est ça. Ah, il faut survivre! Ah, d'accord! Voilà! Ok. Oh oh. S'il y a une sauvegarde, mais ça veut dire qu'il y a le boss qui est pas loin, mec. C'est un manoir, ce truc? You made it good, I'm wounded, I need you to finish what you started, you take through the final defense. Wow. Attends, c'était une résistance, en fait, depuis le début, ce qu'on fait? J'ai l'impression, ouais. T'as wow. Pas mec, la musique, mais... Oh ouais, mec, pense-toi à te soigner avant le combat final, parce que j'ai quand même l'impression que ça va chier. Eh, regarde. Le tableau. Bah, j'ai vu la Joconde aussi en dessous, regarde. Ouais, ouais. Bah, dynamite, une seringue. Une seringue de vie. Oh merde. Oh putain Max. Oh putain. Oh j'aime pas ça. Oh j'aime pas ça non plus. Bon. Est-ce que derrière vos écrans, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je vous entends pas, c'est pas grave, allez hop, let's go. C'est quoi ce jeu? Je sais pas du tout ce que... Ici c'est... What? Ah ça... Eh mec, c'est pas un délire communiste que... C'est pas un délire communiste là, le délire là? Wesh! Wesh, c'est quoi ce délire? Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, il nous charge le bâtard! Ouch, ouch! Ah. Soigne-toi, au besoin! Oh putain! Tête chercheuse le bâtard! Ah bah, je suis mort! Survie mec, survie. Putain la musique mais elle est tellement classe quoi. Je suis là. Ah. Aïe. Je crois qu'il faut buter les espèces de générateurs d'hologrammes, ça c'est bizarre. Putain.
Ah bah, je suis encore mort. T'as la vache, mais il est violent ce boss, mec. Mec, survie. Ah! Oh putain! Je suis mort. Oh putain, non, ça régène toute sa vie. La mère, la pute! Mais c'est de la puterie, mec, il a 3 vies, ce fils de pute! Hé! Hey yeah, aïe! D'accord, en fait, l'hologramme il fait pas de dégâts, c'est juste les espèces de canon qu'il y a autour en fait. Oh, j'ai calé! Mec, serre-toi des écrans pour savoir quelle attaque il va faire! Là, va balancer les points là! Là, va balancer ça, je sais pas ce que c'est comme attaque. Bref! Oh la vache! Mais c'est trop cheaté! Mais depuis quand est-ce qu'on joue à Two Project là, t'en déconner là? J'arrive mec! Mec, faut que je me soigne mec, c'est la merde. Oh. Ah le bâtard, accélère ces trucs! Ouch! Fais gaffe, mais c'est ta chercheuse, fais gaffe. Aïe. Attention, point. Ok, on en a eu un autre. Oh putain, qu'est-ce qu'il arrive? Mais c'est de la merde. Mais... What? C'est quoi ce combat de boss, mec? Non mais là, je sors la... Mec, là, je sors la crossbow, là. Là, ça chie, là. Non mais, ouais, mec, sors là, mec. Oh. Putain. Oh. Putain. En fait, je pense qu'il faudrait pas qu'on dépèce un seul. Parce que je pense que plus on... Si on dépèce un des trucs, il a des nouvelles attaques qui viennent. Non, c'est pas niveau de DPS de un seul truc, c'est de... Moins il a de tourelles, plus il est vénère, en fait. Putain, mais ça, c'est franchement trop cheaté, quoi. Mais c'est trop cheaté, ces trucs-là, en même temps. Mec. Je comprends plus rien ce qui m'arrive, mec. Putain, c'est de la merde. Bah, j'ai survie, survie, j'arrive. T'inquiète, je survie. Oh non, pas ça. Merde. Oh putain, mec, c'est chaud. Attends, il va balancer des points. Ah. Les gars, putain, mais... Ok, il en a un, fais gaffe, il va être... Oh putain, il va être vénère. Mais putain, mais c'est vraiment impossible de prévoir les coups. Non mais... Mec, je te jure, on est en train littéralement de jouer à un Two Who Project là avec... Suffit là. Je vais te manger. Aïe. Aïe, mais putain. Wesh. Oh putain. Ouch. Ah, fais l'aller-retour, le fils de pute. Oh putain.
Oh merde, oh merde, oh merde, et les deux, il est pas en phase Oméga, mec. T'arrêtes quand? Mais j'en sais rien. Mais j'en sais rien, mec. Ah, mais putain. Je survis, mec. J'arrive. Mec, j'arriverai jamais à esquiver ces tirs, hein. C'est impossible. Hein. Survie, mec. J'essaye, mais c'est pas facile, ouch. Je suis là. Oh putain. Ah! C'est quoi ce combat de boss, mec? Bref. Mec, survie! Survie! Je fais ce que je peux, hein! Survie, mec! Régène ta vie! Ne cherche juste à esquiver! Non! Ouf, 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 ouf. What? Oui! Putain! Oh putain! Oh la vache! Non, mais déjà on chie sur ce boss là, mais ça va être la merde! Oh la vache! Oh putain! T'as droppé quoi? Ok, une épée de glace qui est assez claquée. Oh la vache. Oh, il n'en pas lave. Mais c'était quoi ce boss, mec? Oh, mais ce boss. Mec, mais mec, tu te rends compte qu'on chie déjà à ce boss là? Mais imagine la suite. Il y a quelque chose là-haut, non? Non. Bon, on prend le truc. Oh! Là, je transpire. Oh. Putain, la vache. Lana has joined the hood boss. Putain, par contre, elle fait peur quand même. Mec, on se casse et j'en ai marre. Oh. Oh putain! Putain, on s'est fait éclater! Mais je crois pas que j'aurais fait ça seul. Hein. En solo, mec, j'aurais pas fait ça seul. Mec, moi, j'aurais pas réussi. Mais mec, mais ces attaques, mon gars, mais c'était à moitié du temps imprévisible, mec. Les coups de poing encore, ça va. Les coups de poing, ça va. Les missiles encore, ça va. Les missiles encore, ça va. Attends, il avait quoi comme attaque? Il avait. Alors, les coups de poing, ça allait. Quand il balançait des épées. Des épées spectrales des yeux, ça allait parce qu'il était sur un point stable. Mais on est d'accord, le plus casse-cou, c'est quand il faisait des petites particules, là. Hein, quand il mitraillait, mec. Hein. C'était une merde. C'était une galère, mec. Bon, c'est bon. Succès déverrouillé. Bah au moins là c'est la preuve que j'ai pas encore continué le jeu jusqu'à là. J'ai un succès des non déverrouillés sur Steam, voilà. Si vous me croyez pas, je vous baise. Putain. Eh, j'en peux plus. Hein. Ouais. Et Guad Module. Ouais, super. Putain, ce combat de boss quoi. Il voulait rien dire. Bon, tu viens ou Bit? Je suis perturbé. Par contre, attends, j'ai quand même chopé une épée qui fait du 34-2 de damage. Il fait quoi? Ouais, alors la technique. Ouais. Oh! Mec! Mets-toi au niveau du truc bleu là. Stop! Regarde, prêt? Ah mec, oui! Téléportation! Non, mais c'est pas. Mec, j'attaque et je me retéléporte en arrière, mec! Ah, un dash! Ah oui, une attaque. Comment ça s'appelle l'attaque? Une attaque blink blank slash. Moi je me téléporte, ah, je lui donne oui, un coup, je oui. Me téléporte en arrière. Ah c'est pété. Ouais je connais. Bon, accepte, okay. Voilà. Bon, tu sais ce que d'ailleurs on drop, j'ai regardé ce qu'on drop du big up justement. On a 10% de chance de dropper un lance, une sorte de lance roquette. D'accord, bon bah tu comptes pas sur moi pour la refaire. Ah moi non plus, t'inquiète pas. Pas, mais en fait, si on peut le refaire, mais qu'on a une armure un peu plus pétée, des armes un peu plus pétées. Mais ouais, mec, on est d'accord, mec, ça, ce truc là nous a sauvé la vie. Il a fait des dégâts de sang sur les tourelles, ça nous a sauvé la vie, mec. Et le truc de soin aussi, on en parle. Oui. Bon, oui. Allez, pfff.
Et je te jure, je transpire. J'imagine. Oh la vache. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que... bon, on a combien de temps? On est à peu près à 20 minutes. Bon, on va tourner tranquillement, vite fait. Alors, on va juste voir la prochaine mission, ce qu'on a à faire. Alors, now we need to find the glitch artifact. Glitch tend to reside on planet with a lot of volcanic activity. Oh, merde. Du coup, ça veut dire qu'il nous faut un module pour résister aux flammes. Ouais. Volcanic planet occur on fiery stars. Best to search for there for clues. D'accord, faut trouver des fiery stars, enfin des stars, enfin des étoiles qui sont... Oh putain, ça chauffe. En fait, j'ai regardé là ce qu'elle vend justement l'Apex. Mm-hmm. C'est des modules en fait pour augmenter tes capacités. Ah ouais. Regarde une fois. T'as dans les storage, j'avais quelque chose dans les storage. Attends. Alors elle a quoi? Bon, elle a pas vraiment des trucs de fifou non plus. Hein. Jump augment, poison resist augment, swimming augment. À la limite, le jump il serait plus efficace. Ouais, que le reste. Ouais, voilà. Mais bon, c'est ça coûte quand même 10 000. Bonjour, au revoir. Et attends, y a, tu crois qu'il y a moyen que je saute jusque là-haut? Attends. Ouais, t'es allé où? T'es où là? Ah non. Non! Aïe! Ouais, non, laisse tomber. Ça marche pas. Ah ouais, non, tu peux pas. Aïe. J'ai failli mourir en plus. Bon, allez, on va dans notre petite maison douillée de. Bien, on va de nouveau sur notre petite maison douillée, tu sais, mais de tier 1. Oui. Ah bah oui, bah justement, attends, on va directement aller sur une planète que qu'on a voulu visiter, que je voulais te faire montrer, que tu vas kiffer, je suis sûr. Sauf que je crois pas qu'en fait il y a une planète en fait. Ah si. Viens sur mon vaisseau, ça va être planète, une planète qui va te faire kiffer, ça j'en suis sûr, mec. Ok. Va juste sur mon vaisseau. Parce que je suis sûr, mec. J'essaie d'y accéder là. Hein? J'essaie d'y accéder. Ah, t'y arrives pas, c'est ça? Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Bonsoir. Tu vois, Max, c'est une planète qui va te faire kiffer, mon gars, mais. Une dark planète, ça te dit? Ah! Avec des spectres en tant qu'habitants. Waouh. Ah, je te dis, mec, mais. Et en plus, mec, la musique de cette zone-là, elle est. Oh! T'es prêt? Allez, c'est parti. Tu vois, franchement, si tu vas voir, tu vas kiffer. Juste histoire de finir. Regarde, mec, regarde déjà à gauche. Oh putain. Alors? Waouh. Non, c'est kiffant, hein? Par contre, le vent, il nous ralentit. On dirait les restes d'une vieille civilisation. Oh Max. Max. Oh, je crois savoir ce que c'est. Non, t'as buté l'autre avec du coup. Merde. Mais Max, regarde ce que j'ai trompé d'un coffre, mec, tu as kiffé. Vas-y. Attends, vas-y. Non merde, oups, mauvais bouton. Attends, j'ai corrigé. Voilà, tu vas voir, mec, regarde. T'es prêt? Vas-y. Oh putain. T'es trop dark, trop torturé là. J'ai le froc et j'ai le truc, hein. En plus, regarde les traînées que ça me fait, mec. Ah oui. Pourquoi moi, je vais retourner... Merde. Par contre, je vais retourner à des trucs un peu plus conventionnels, quand même. Pas déconner non plus. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ah oui, ça, c'est les Dark People. Et regarde, il y a des petits charmes, t'as vu? Ça fait un peu bizarre avec le vent. Mmh. On dirait. Ça fait un peu flipper, hein. Bah, je suis dit, mec, la Dark Planet, mais mec, moi, cette planète, elle est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vas voir, mec, la musique, quand elle est de journée, mec, elle est trop bien. Ouch. Il a de la vie, le bâtard. Hein. C'est son truc là, mais l'arme, les dégâts d'armes qui suivent plus.
Regarde mec les faucheuses là mon gars. Waouh. Ah c'est beau hein. Franchement c'est classe. Oh putain. Oh la vache. C'est quoi ce truc? On est d'accord. C'est quoi cette merde? Oui, on est d'accord, il allait nous faucher là. Ouais, par contre, je crois que c'est. Fais gaffe, je crois que c'est un autre. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah, il y a un nid rempli de ces trucs. Non, c'est pas des. Il y en a un, je crois. Attends. Merde. Mais. Ah! Attends, mec, ça m'intrigue là, c'est quoi cette zone? Oh la vache, ça prend un petit temps à creuser. Putain, je suis sûr. J'aime pas ça. J'aime pas ça non plus, mec. Ah. Oh. C'est quoi ça? Ah, c'est un coffre. Mec, c'est un coffre. Ah, bah attends, mec, le coffre, je le prends, il est trop classe. Attends, putain, mais ce monstre est là. Par contre, là, je suis perplexe là, par rapport à le monstre. Oh merde. Oh. Ça, c'est un nid. Les bruitages, oh. Ah, attends, regarde, il y a un autre coffre là en gros. Putain, il se fond dans la masse le bâtard en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Larva chest. Ah, c'est dégueulasse. Oh what? Oh 89 de dégâts, il m'a fait mec en un coup. T'es sérieux? En un coup il m'a one shot. Oh la vache. Oh putain mais ils ont fumé quoi là chez les développeurs pour faire ça là? Mec, ah, je sais pas, elle lève un peu la plante et elle va le refaire. Oh mec c'est tellement violent. En fait c'est ses bras là. Eh on dirait que ça fauche mec, fais gaffe. Oh. Eh vas-y, reste un peu poulot, en fait, tu te calmes tout de suite. Hein. Ah oh, oh. Elle fait mal, hein. Oh putain, y'en a une autre de ces salopes. Oh 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 oh, oh. Alors ça, c'était de la chatte. Mec, mais ça, c'est des monstres. Attends, mec, j'ai une idée. Attends. Oh mec, j'ai une Pokéball. Mec, t'es prêt? J'ai une Pokéball. On en trouve un, mec. On en trouve un, on le DPS et on le récupère. Grave. C'est trop stylé ces trucs. Mais c'est trop stylé, mais bon, quand c'est contre toi, t'es un peu bité quand même. Ouais, bon, attends. On va un peu sortir de là en fait, moi. Attends. Par contre, c'est normal que t'as des sortes de moucherons là autour du coffre. Bah, mec, c'est des cadavres. Ah. Qu'est-ce que tu veux une photo? Putain, mais ces trucs comme. Bravo. Mais... Bah, maintenant tu te démerdes. Ah, c'est des ampoules. Ah, bah, regarde, y'a un truc Apex là-dessus, t'as vu? Attends, je sors de là. Bon, les bombes vont bien me servir cette fois. En plus, tu sais quoi, Max, j'ai l'impression que tu sais que les soins là qui s'appellent les salves, ouais. Qui vont plus être utiles du tout, mec. Hein. Faudra qu'on prenne les autres. Hein. Tu sais, ceux qui régènent 100 points en 10 secondes. Ouais. Parce que, mec, sinon, bah, ça va pas suivre. Ah, c'est de l'obsidienne! Ah, ouais, carrément. Ouch. Je suis en train de voler toute la zone là. C'est pas mal. T'es en train de tout fouiller là? Ouais. Alors, par contre mec, je joue avec le mec qui a un peu les chutes d'Apex avec les yeux qui brillent. Ah oui. Oh, attends, un peu bizarre. Oh. Attends mec, je chope une rocket launcher mec.
Oui, d'ailleurs, moi aussi j'ai chopé un truc, c'est quoi? Et est-ce que ça fait putain des dégâts? Ouais. Ah, t'as la même chose que moi, regarde. T'as ça, et après t'as ça. Et moi je l'en glace. Sauf que moi j'ai une distance moins élevée. Ah, ah non, bah... Non, non, ça se fait en fonction de la distance de ton curseur. Par contre, j'ai chopé, mec, une guitare électrique. Il y a un coffre là. Aïe. Vas-y, récupère-le. Et mec, moi. Attends, on est à 30 minutes, j'en ai rien à foutre, j'ai une femme baladée pour choper un de ces monstres chelous, tu vois. Attends. Je vais revenir en arrière et je vais voir si je peux choper un de ces monstres faucheurs là. Parce que mec, imagine, ouais. T'as ça avec nous, mec, mais zbru. En plus, t'as vu les dégâts qu'il nous fait d'un coup, le bâtard. Ouais, 89 et tout, putain la vache, c'est violent. Attends, je vais sortir de la zone et je vais aller voir si je peux trouver un de ces monstres là, le DPS, et le choper avec la Pokéball. Parce que mec, marche. Si c'est avec nous ce truc, mais... Ah mais chelou. En plus, il y a une sacrée résistance au niveau des dégâts. Hein. J'avoue, putain. Putain, je suis tombé dans un trou. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis qui ont rip-hop entre temps? Écoute, au cas où, tu peux venir avec moi parce que j'ai peur de me faire buter comme une grosse merde. De quoi? Oh putain, mec, j'en ai deux sur la gueule, ça pue, mec. Ok, le DPS. Faut que le DPS bien. Oh putain, sa mère. Oh putain, sa mère. Ok. Pokéball! Go! Et merde, ça a pas marché. Oh putain, mec, j'en ai deux sur la gueule, ça pue, mec. Putain, je suis mort. T'es mort? Mec, on en a deux sur la gueule. C'est pas bon, c'est pas bon! Attends, c'est lequel qui est DPS là? C'est celui-là en bas. Putain, mec, on en a deux sur la gueule, ça pue! Bon, tant pis, il y en a un qui est mort, mais au moins on en a moins! Fais gaffe, ils te visent! Oh putain! Ok, heureusement qu'ils sont cons. Ils ont pas con! Attends, stop. Ne dépèse plus, ne dépèse plus! Let! Pokéball! Oui! Ouais! Je l'ai eu! Allez, j'en ai pas mal les couilles, je me casse, allez, bisous les bichos, c'était Akaima avec Deskor sur... sur Starbound. Oh putain, mais c'est monstre mon gars, mais... J'espère que cet épisode vous aura plu, et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire l'abonnement, le partage, le commentaire, le like, et la cloche, et une bite dans le cul. Voilà, je vous dis salut, et à la prochaine. We'll be right back.